grand espoir pour fourmi. C'est fini le premier temps. Ouais. Fourmi, c'est notre parti. Je vais vous faire l'annonce des résultats officiels. La liste Hiro, 2299, 42,45%. La liste Berthaud, 2180, avec 40,25%. Et la liste Lacenaire, 937 voix, soit 17,30%. La liste Hiro est arrivée en tête, alors je regrette que les Tunisiens se soient laissés abuser par le chant des sirènes. Néanmoins, je peux vous dire que devant le faible écart et les manœuvres dilatoires qui ont eu lieu au cours de ce week-end, avec des affiches non autorisées, des distributions en dehors des délais, nous allons vraisemblablement déposer un recours contre ce résultat. Donc, Alain Berthaud, les résultats viennent de tomber. Oui. Alors à chaud, quelle est votre réaction ? Une déception, évidemment, dire le contraire ne serait pas crédible. Néanmoins, il y a 119 voix d'écart. Et 2%. Donc nous avons fait une campagne digne, propre. Et je pense que malheureusement, c'est la démagogie, le populisme et les manœuvres dilatoires qui ont eu lieu avec des distributions de tracts en dehors des délais que M. Lajeunesse et moi-même avons respecté. Et M. Hiro n'a pas eu les mêmes scrupules. Les Fourmisiens devront assumer, évidemment. Et c'est tout. Les urnes ont parlé. C'est tout. Nous avons perdu et on verra l'avenir. Mais je n'exclus pas de déposer un recours vu toutes ces manœuvres qui ont été faites. Pensez-vous que si recours il y aurait possibilité que les électeurs soient appelés à revenir aux urnes? Si le tribunal éventuellement disait que ces manœuvres sont reconnues, effectivement. Bonsoir Jean-Paul Lajeunesse, Paul Schuller. Nous sommes à l'issue des résultats de ce second tour à Fourmi. Alors à chaud, quelles sont vos impressions? Que cette victoire est une victoire volée de M. Hiro, puisque de toute façon, depuis maintenant 3 jours, 4 jours, il fait des affiches non conformes, il fait des tracts diffamatoires, promet n'importe quoi, n'importe où. Donc quelque part, je veux dire, il faut être sérieux dans une campagne électorale, quelle qu'elle soit. Bon, maintenant, on verra. Il est élu. Pour ce soir, il est élu. Enfin, il n'est pas élu maire. Sa majorité l'emporte. Maintenant, on va voir comment on va faire. Alain Berthaud a dit qu'il allait faire un recours. Je ne sais pas si je n'ai pas mis associé à ce recours, parce que j'ai été diffamé. On utilisait des propos qui n'étaient pas les miens. On a passé des tracts en dehors des périodes où on pouvait passer des tracts. C'est quelque chose qui est illégal et amoral. Je dis bien le mot amoral. Donc voilà. Je ne suis même pas un maire, parce que, tu sais, on est parti, nous, il y a seulement 3 semaines en campagne. Donc c'est pas très important, on n'a eu que 3 semaines de campagne. Je note quand même qu'Alain Berthaud a bien résisté, parce que malgré tout, il y a 100 voix d'écart entre les deux. Est-ce que vous ne pensez pas que vous faites les frais aussi du jeu des alliances du deuxième tour? On ne pouvait pas déjà faire alliance à partir du moment où on avait annoncé qu'on ne faisait pas d'alliance. Donc on a tenu parole. Et notre... Quelle image j'aurais pu donner à des jeunes qui sont partis avec moi si, en leur ayant promis qu'on n'était ni de gauche ni de droite, qu'on était sur des rails et qu'on allait jusqu'au bout, si je leur ai dit en cours de chemin, allez, on fait dérailler le train et les wagons avec, ça n'aurait pas été sérieux, ils auraient été écœurés de la politique pour la fin de leur jour. En tout cas, on continue notre combat, c'est-à-dire que même si on est dans l'opposition, voilà. On va être présent, on va essayer de construire quelque chose et puis on sera présent dans 6 ans également. Voilà, et il faut savoir quand même que dans les commissions, on travaillera. Quand il faudra s'opposer, je m'opposerai. Quand il faudra voter pour, je voterai pour. Mais je ne voterai jamais aveuglément pour quelqu'un, surtout avec les promesses qu'il a faites.